écoute droite. Tu vois ? Des choses dans lesquelles il y a pas trop la... Je pense que la basse à outrance, qui est un peu la mode du moment, hein, ça va disparaître. C'est-à-dire que au lieu d'entendre l'ensemble des instruments, on met en avant, même sur des musiques qui dans lesquelles il n'y a pas la basse et pas l'instrument, la section rythmique et pas la partie la plus importante, on fait ça aujourd'hui. Ce qui fait que les oreilles sont un peu tordues, quoi, si tu veux. Moi, dans caisson basse, quitte à rester français, moi, c'est cabasse, quoi. C'est pas le même prix. Mais je trouve que c'est français, et c'est encore français, d'ailleurs, cabasse. Et c'est... Et le son est joli. Parce que le... bon, là, ça fatigue quand même vachement. Et d'ailleurs, on est en train de changer ça. Hein. Il y a des boîtes maintenant qui proposent un moins gros caisson de basse. Je salue celles et ceux qui me voient sur qui voient ma chemise sur YouTube live. Aujourd'hui, on est en train de sortir de ça et de passer aux vibrations. C'est-à-dire que tu as un vêtement sur toi. Et dans les bagnoles, par exemple, c'est de plus en plus le cas. Dans les bagnoles un peu soignées, hein, je parle pas des traînes cul, t'as plus le c'est plus le bouh, c'est-à-dire parce que le caisson de basse, c'est juste un haut-parleur dans lequel il y a que du il y a que un truc sourd, quoi. Il y a juste dedans. Donc on enlève ce truc là et on met juste la vibration de la basse, le plaisir, la joie de ressentir en fait le truc, plutôt que d'avoir cette... De dénaturer, en fait, la musique. C'est-à-dire que si tu t'essaies pendant... tu pourrais essayer ça. Pendant une semaine, tu t'interdis, sur ton autoradio de bagnole, à la maison, etc., d'augmenter les basses, parce que c'est ce que font tous les gens, ils mettent les basses à fond. Tu mets à zéro. Tu mets droit, en fait. Aigu et grave. Donc là, t'entends le matos comme il a été fait. Voilà. T'écoutes comme ça pendant une semaine. Et après, tu essaieras de réécouter les mêmes musiques une fois que tu les auras... Tu vois, que tu te seras déshabitué, en fait, de cette perfusion exagérée de basse. Et après, tu essaies de réécouter les mêmes musiques, mais en soulignant un peu les basses. Sans les mettre extrêmement fort comme on le fait maintenant. Parce que la basse, super forte, elle est formidable... notamment dans la funky music, où tu vois, où là effectivement t'as un bassiste dont le travail, et c'est lui qui entraîne en fait la section rythmique, et l'ensemble de la musique est appuyé là-dessus. C'est-à-dire que tous les autres sont derrière le bassiste. Il y a plein de musiques dans lesquelles le bassiste, il fait la section rythmique, il est propre, il est avec les autres, mais c'est pas lui le chef, quoi. C'est pas lui qui est devant. Ah, pense à ça. Voilà. Oui, mais la basse rajoute de la puissance. Non, elle rajoute pas de puissance. La basse, elle rajoute simplement de la basse. Voilà. Le son basse. Mais quand tes voisins t'emmerdent, en général, ceux qui arrivent chez toi sont pas les basses, sauf si t'habites dans le même immeuble. Mais si t'habites en face, ce sont les médiums et les aigus qui traversent, qui arrivent jusqu'à toi. Si tu écoutes la sirène de pompier, ce qui sort de la sirène de pompier, c'est du médium. C'est pas... de l'extra aigu, ni même des basses. Si ça faisait comme ça, on n'entendrait pas. L'idée de ne pas écouter tout, de réduire en fait les possibilités de nos oreilles, en exagérant les basses et en faisant disparaître en fait tout le reste, est un concours à nous rendre un peu sourds et à nous rendre moins... d'avoir une oreille moins fine, voilà. C'est la grosse oreille, quoi. Et la basse ne rapporte pas de puissance. Ce sont les médiums, la puissance. C'est-à-dire que si ce qui t'assourdit dans ta bagnole, c'est les médiums. C'est pas les basses. Les basses, elles vibrent, elles peuvent te faire te pisser dessus. Parce qu'elles tremblent, elles vibrent. Mais... une mauvaise chaîne stéréo, c'est une
chaîne stéréo dans laquelle effectivement simplement en fait le, tu sais plus ce que joue en fait le bassiste ou la partie basse si c'est un clavier, tu sais plus, tu n'arrives plus à définir en fait, le son n'est plus défini, tu n'arrives plus à te rendre compte qu'il y a des notes différentes parce que ça parce que c'est dégueulasse quoi, c'est ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui. Mais ça permet aussi à l'industrie de la musique de vendre des merdasses dans lesquelles les filtres pour les aigus, pour les basses sont très très peu séparés quoi, c'est pas bon. Mais c'est bien pour toi, ça te fait acheter des trucs. Yann a 35 ans, il est à Avon. 13 ans. Emmanuel Fabrice, 50-42 à Vincennes. Oui, à bon présent, on est là. Là, il y a le chat qui est monté sur l'armoire. Très bien. Yannick, 40, mais il ne sait pas que c'est une armoire. Yannick, 40 à Ramonville-Saint-Agne. Oui. Il cherche juste un endroit où pisser. Hein. C'est tout. Message de Gokan, 50 ans à Sainte-Maxime. Maurice, je vous invite cet été pour les soirées touristiques aux plages. C'est très gentil, Gokan. Mais je suis un peu loin, là. Je suis à 8000 km de la France. Donc c'est très gentil, en tout cas, de m'inviter. Je te remercie. Mais je suis un peu loin. Voilà. Ouais, je prends l'avion. Hein. Oui. On va écouter Emmanuel et Fabrice. Vas-y. Il y a Marie-Emmanuel qui veut te dire quelque chose. Marie-Emmanuel, pardonne-moi. Oui, allez-y, justement. Donc, ce que je voulais te dire, c'est que je vais te demander si tu étais déjà rentré dans un centre de la SPA. Oui. C'est pas un centre de la SPA, moi je suis allé au centre de la SPA, c'est la SPCA ici aux États-Unis. Donc c'est pareil, hein, sauf que c'est l'Amérique, donc ça ressemble à un magasin. c'est super propre, super joli, les chiens sont tout brillants et tout ça. Oui. Et je suis aussi allé dans le centre de récupération des pitbulls de New Orleans, d'ici là. C'est sous un pont et ils font même une série là-dessus que je te recommande, qui est sur internet. Voilà, sur ce centre-là de gens qui récupèrent les molosses là, qui font peur. Hein. Ouais. Oui, oui. Ouais. Bon, je suis allé là alors. Tu n'es pas allé à l'SPA en France ? À l'SPA en France. L'SPA en France, c'est ce que je suis allé. Non, je connaissais une gonzesse. une gonzesse dans le Pays Basque qui recueillait des chiens. Alors, il n'y a que des chiens avec trois pattes. Avec un œil, avec une oreille, enfin que des chiens abîmés. C'était une horreur. Maltraité. Ça fait de la maltraitance. Ben elle récupérait tous ces chiens-là. C'était une horreur. Une horreur chez elle. Elle en avait combien ? Je vais pas dire de conneries. Il y avait peut-être une vingtaine de chiens dans le bazar, là. Oh là là. Oh, oh. C'était une gonzesse formidable. Dont le mec était une espèce d'intellectuel assez intéressant, un peu fou, mais assez intéressant. Et par contre, quand t'allais... j'arrivais pas à bouffer, moi, chez eux. Tellement il y avait des chiens... c'était de se couper l'appétit. Que des chiens dans un état, mon pote. Un film d'horreur, quoi. Walking Dead avant l'heure. Walking Dead. Ils sont tous autour de toi. Le chien à trois pattes, le chien à un œil, le chien à une oreille, enfin bon... Un enfer, quoi. Pardon, excuse-moi. Oui, donc j'ai... voilà, je connais pas bien la SPA, mais... Bon, la SPCA aux États-Unis, c'est la même chose que la SPA. Hein. C'est la SPA d'Amérique, quoi. J'avais l'impression que les animaux de ton organisme, de ce truc-là, étaient en forme. Ils n'avaient pas été maltraités. Alors, dans les... Dans le refuge des pitbulls, il y a plein de bêtes maltraitées, d'animaux, parce que c'est des gens qui vont ramasser en fait ces chiens, parce qu'aux États-Unis il y en a beaucoup, des pitbulls et des trucs, et particulièrement ici à New Orleans. Donc les mecs, ils les récupèrent sous les maisons, tu sais, c'est des animaux qui font... qui sont extrêmement violents parce qu'ils ont été maltraités, donc ils font peur à tout le monde, et au lieu de les tuer, ils appellent cette association
qui sait bien s'occuper de ces chiens-là. Et donc, il y en a, je sais pas, une trentaine. C'est des chiens qui ont été maltraités, mais ils sont effrayants, hein, pour la plupart. Hein. Les trucs, quand le chien, il te regarde dans les yeux, là, tu baisses le regard. Hein. c'est, le chien, il est immobile. C'est un molosse. Il est immobile et il te regarde fixement, comme ça, sans rien faire, tu vois. Là, t'attrapes un frisson. Hein. Ah, t'as peur. Vraiment. C'est un peu particulier à mon comment juge. Donc moi, enfin voilà, moi je suis quelqu'un de généreux, convivial et curieuse, entre autres. Donc si un jour t'es de passage sur Paris, tu dois connaître plein d'amis et tout un peu partout dans le monde. Mais ce serait sympa, si c'était le passage, qu'on se voit. Ah ouais, je fais des émissions en direct à Paris en général. Tu sais qu'on a un beau bateau qui s'appelle Rock Symbol. Et on fait des émissions. Là, il commence à être prêt. On l'a repeint cet été. On a fait une émission en direct quand j'étais là au mois de juillet. Et on va refaire bientôt sur Rock Symbol, sur notre bateau. Ouais. Donc tu auras l'occasion de venir. Tu verras, c'est formidable. Hein. Formidable. J'en doute pas. Ouais. Écoute. On va donner la main. On va donner la main à Yannick de Ramonville-Saint-Agne. On va voir ce que ça fait. Ouais, tiens, tout à l'heure, tu parlais de la MJS et tout ça. Là, bon, c'est vrai que petit à petit, on se rend compte que tous les gens qui sont là. Le mouvement des jeunes socialistes, préfère qu'on dise. Voilà, le mouvement des jeunes, c'est parce que c'est plus rapide, MJS, ce sont les. Ah ouais, non, je préfère pas qu'on soit dans la rapidité. Bon, voilà, donc le mouvement des jeunes socialistes, merci. Ou même Ramadan et tout ça. Je veux dire, petit à petit, on se rend compte que les gens qui sont toujours prêts à nous diffuser une espèce de bonne parole politique, religieuse ou dans d'autres choses. En fait, ce sont de la véritable saloperie. Et en fait, ce que je voulais. Alors, non, tu peux pas dire ça comme ça. Là, en plus, il y a Yann Davon qui va te tomber dessus. Tu peux pas dire ça. Tu peux dire qu'il peut y avoir dans ces mouvements ou auprès de ces gens, il peut y avoir des gens qui sont des saloperies. Mais tu peux pas dire que c'est toujours comme ça. Qui joue bon. Jusqu'au moment où. Les gens vont dire qu'Asselineau a fait des trucs là. Là, on n'entendra plus du tout Yannick dire quoi que ce soit. Après, ce sera à toi. Non, mais c'est tout. C'est tout. Et ce que je voulais dire. Voilà. Et donc, en fait. Je vais pas épiloguer sur ce machin là parce que bon c'est assez horrible comme ça, mais ce que j'ai voulu remarquer de moins horrible mais de tout aussi nul, c'est que c'est l'espèce de qu'il y avait une espèce de hiérarchie entre le militant de base, le militant étranger, le cadre et tout ça. Et en fait, dans ce que tu nous as dit tout à l'heure, j'ai vu que le militant étranger était juste le niveau inférieur au président. Ouais. Il est bien gradé, manifestement, dans le mouvement des jeunes socialistes. Alors, elle aurait été filée pareil. Mais ferme-la un peu là. Ouais, c'est tellement de me demander. Donc, convention Kadhafi, la MJS. Et donc là, ce que je me suis dit, c'est que quand même, ça me fait penser à au parti socialiste, ou même à tous les autres partis qui sont totalement pro. Le mouvement des jeunes socialistes, ça doit te faire penser au parti socialiste, oui. Voilà. Enfin, et de toute façon, j'englobe tous les autres partis ensemble. Enfin, en tout cas, les partis pro-européens, en fait, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre juste que pour eux, ceux qui ont le plus de valeur, ce ne sont pas les gens de base et tout ça, ça va être l'étranger. Alors, maintenant, il ne faut pas s'étonner qu'ils veulent vendre la France. Tu fais une confusion, Yannick. Tu confonds le mouvement des jeunes socialistes et le jeu qui a eu lieu en Croatie et qui donnait des points à la gonzesse
qui se faisait prendre sa chatte ou qui se faisait prendre par tous les trous par un étranger, elle prenait plus de points que si c'était un militant de base, etc. Mais ce n'est pas écrit. Oui, effectivement. Ce n'est pas écrit dans la charte du mouvement des jeunes socialistes. C'était à l'occasion de ce jeu qui avait été mis en place manifestement par les protagonistes du moment. C'est pas du tout une organisation officielle. Pas compris, là. Ce truc de charte de je sais pas quoi, c'est en Croatie, et le truc de la MJC, c'est deux choses différentes, c'est ça? Ouais, je comprends plus. Non, l'article que j'ai lu parlait d'une expérience qu'avait vécue une des militantes du mouvement des jeunes socialistes en 2012, lorsqu'il y avait l'occasion d'une rencontre de ces gens-là en Croatie. Ils avaient organisé un jeu de cul, un jeu de sexe, dans lequel les gonzesses se faisaient secouer par des mecs et prenaient des points en fonction de la position des mecs dans la hiérarchie, dans la hiérarchie qu'ils avaient établie des hommes présents. Ils avaient considéré que au sommet de la pyramide, il y avait le président, que dessous, il y avait le militant étranger, dessous, le cadre local, etc., etc. Mais c'était à l'occasion de ce jeu. Ça n'avait rien à voir avec l'organisation des mouvements des jeunes socialistes. Non, mais d'accord. Heureusement, quand même. Enfin, je veux dire, heureusement que c'était pas. Heureusement qu'ils ont conscience que c'est que ça peut pas tourner rond. Enfin, que c'est pas légal. Bref, tu vois. Heureusement. Donc voilà. Et bon, moi, ce que j'attends, c'est que j'attends qu'il y ait d'autres dirigeants qui commencent à tomber là, parce que j'ai l'impression que ça commence à tomber de plus en plus rapidement. Hein. Et forcément, ça va être forcément le cas. Voilà. Et après, qu'est-ce que tu espères qu'il va se passer alors, quand ils seront tombés, est-ce que tu imagines qu'il y aura de nouveaux dirigeants ou est-ce qu'il n'y en aura plus? Je pense qu'il y en aura des nouveaux. Mais de toute façon, je vais te dire un truc. Si on ne change pas le système en général, ce sera toujours les mêmes catégories de personnes qui vont arriver au pouvoir et qui vont faire les mêmes conneries, de toute façon. Donc c'est pas un problème d'homme, c'est un problème de fonctionnement. Et ça, je pense qu'on peut. Et ça, je pense que ce constat, on peut le faire à tous les États. C'est pour ça que. Moi, je préfère qu'on mette à l'honneur des gens qui ont de la valeur humaine, c'est-à-dire l'honnêteté, l'intégrité et je sais pas quoi, et non pas les gens qui arrivent à se faire des millions de fric en claquant des doigts. Tu vois. Et pour moi, tous ces gens qui se font beaucoup de fric ne sont pas des modèles. Le modèle, pour moi, ça va être le mec intègre. Mais il y a des gens intègres qui gagnent beaucoup d'argent aussi, hein, Yannick. Oui, mais non, mais je... Ah voilà, tiens, Boris, je vais te dire pourquoi, à chaque fois je reviens sur ce sujet. J'ai un exemple à te donner. Il y a quelques semaines, j'écoutais Maurice Radio Libre, et Maurice se dit, tiens, sur YouTube, j'ai le pouvoir de fermer le forum. Et effectivement, tu l'as fait. Oui, paf. Tu l'as fait pourquoi? Parce que tu as vu que tu avais la possibilité. Mais les gens qui sont riches, qui ont beaucoup de fric, ils ont, et même moi aussi avec, hein, on aura tous le même raisonnement. Si je peux essayer de faire un truc qui me semble juste, ou que parce que j'ai envie, parce que j'ai un orgueil démesuré, eh bien je vais le faire. C'est pour ça que je te dis que le pouvoir pervertit les gens. Voilà. Non, il pervertit pas les gens, il permet de les voir. C'est-à-dire que quand tu as un pouvoir... Et toi aussi, tu en as des pouvoirs. Quand tu as un pouvoir, ben, t'en profites. Bah. Mais t'es pas forcément un tordu, quoi. T'es pas obligé d'être dingue. Il y a les gens qu'on nous montre en exemple aujourd'hui qui utilisent leur pouvoir à mauvais escient sont pour souvent des gens dingues, quoi. Des gens qui sont dérangés. T'as des gens qui sont... Mais Maurice, d'accord. Parce qu'il y a aussi plein d'autres gens qui ont du pouvoir et qui l'utilisent normalement, quoi. Et moi, je n'y crois pas. Je connais plein de gens qui ont du pouvoir et qui utilisent leur pouvoir, enfin qui utilisent, qui n'en abusent pas, quoi, qui ont d'autres centres d'intérêt que de simplement utiliser le pouvoir qu'ils ont.
Voilà. Parce que là. Tu avais le pouvoir de fermer le forum. Oui. Tu l'as fait à mauvais escient. Non, je n'ai pas fait à je n'ai pas fait à mauvais escient. C'est un peu ça ton problème, Yannick, c'est que tu ne comprends pas en fait ce qui se passe. Et forcément, tu te crées ton truc, mais sans comprendre. Si effectivement j'ai dit que je fermais le forum, c'était parce qu'il y avait sur ce forum des gens qui avaient un comportement qui ne correspond pas à ce que nous acceptons et qui pensaient qu'ils pouvaient continuer à faire ce qu'ils voulaient chez nous sans contrôle. Donc je l'ai fait pour ça. Oui, tu vois, il faut... pas dit ça. T'as alors, je ne l'ai pas dit. Donc tu es à considérer que ce que tu t'étais raconté dans ta tête, c'était la vérité vraie. Mais si, mais si tu avais un petit peu réfléchi, tu te serais rendu compte. C'est pour ça que quand tu entends parler d'abus de gens riches ou de gens qui ont du pouvoir, etc., moi, je t'invite à chaque fois à essayer de comprendre ce qu'ils font, pourquoi ils le font, etc., au lieu de te dire simplement « Ah oui, mais il le fait parce qu'il a le pouvoir. Ah. » Parce que j'ai pas de raison autrement de le faire. Hein, j'ai pas d'intérêt à le faire. Si je voulais pas qu'il y ait de... Si je ne voulais pas qu'il y en ait, il n'y en aurait pas, quoi. Voilà. Oui, non, mais de toute façon, Maurice, tu compartimentes ce qui se peut, entre ce qui se passe sur le site de l'Internet, sur le YouTube et sur la radio. Donc, forcément, il y a des informations qui nous échappent. On est amené à faire de mauvaises interprétations. Et ben, c'est comme ça. C'est mécanique. Mais moi, je t'invite justement. Je te dis pas que ce n'est pas acceptable. Je te dis simplement, quand quelque chose comme ça se passe, je t'invite plutôt à réfléchir ou à poser des questions au lieu de te dire que ce que tu penses avec les éléments que tu as. Et forcément la raison pour laquelle les choses se déroulent. Voilà. Bon, de toute façon, tu nous as presque servi un petit rire sadique. Je me suis dit, bon, il est dans son, tu vois, il est dans son plaisir, tu vois. Si tu avais écouté avec attention, d'ailleurs, ce soir-là, tu m'aurais même entendu le dire. Je l'ai dit, je m'adressais aux gens qui venaient là parce que ils voulaient faire je sais pas quoi. Voilà. Bon, ok. Mais bon, enfin, juste un dernier truc. Enfin, je ne vais pas raconter ce que j'ai fait parce que bon, on n'est pas fiers non plus. Hein. Mais dans certaines activités où j'ai vu que j'avais certaines facilités pour pouvoir servir les gens, je me suis rendu compte que petit à petit, je leur demandais un peu plus, sans me rendre compte, mais un peu plus. Parce que je me suis dit, tiens, c'est moi qui fais tout le boulot, donc bon, ben, vous allez faire comme ça, vous allez faire comme si. Mais je pense aussi, Yannick, que ce sont les gens qui ne sont pas intéressés par ce qu'ils font qui se cantonnent à ça. C'est-à-dire qu'ils se cantonnent simplement à essayer d'utiliser les leviers du pouvoir. C'est-à-dire que, tu sais, ça sera un peu comme si c'était quelqu'un qui avait un bus qui emmènerait les gens à la fête et qui pourrait donc ouvrir et fermer les portes. Et qui passerait donc une grande partie de la soirée sur le parking à ouvrir et fermer les portes et qui oublierait simplement de prendre les gens et de les emmener à la fête, si tu veux. C'est le moment où le mec ne comprend plus en fait pourquoi est-ce qu'il a un bus dans les mains, à quoi sert le bus, pourquoi est-ce que c'est lui qui le conduit et l'idée qu'il avait lorsqu'il l'a acheté. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut être concentré par la raison pour laquelle on fait les choses, ne pas perdre le fil. Tu sais, tu m'as posé une question il y a quelques mois dont on a reparlé là en équipe. Là. Tu m'as demandé, oui, d'après toi, pourquoi est-ce que les gens pourquoi est-ce que les gens qui ont réussi dans la musique, par exemple, pourquoi est-ce qu'après ils n'ont plus de talent? Voilà. Et en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est le moment où le mec ne s'intéresse plus ou ne peut plus s'intéresser à la raison pour laquelle il fait de la musique. Il fait de la musique parce qu'il a envie que les gens écoutent les belles musiques qu'il a composées. Si tu sors de ça et que tu t'intéresses simplement à la vente de disques, ben, tu n'as plus effectivement de talent. Tu n'es plus dans le talent, tu n'es plus dans ce que tu veux communiquer aux autres, tu es juste dans ce que tu veux leur vendre. Et là, c'est plus pareil. Ça s'est arrangé, Yann Davant, votre problème technique ? Oui, Maurice, je vois que t'as l'œil. Ouais. Faut acheter du bon matos, quand même. Là, ça sent le matériel d'occasion. Vous l'avez acheté d'occasion, celui-là, non ? Oui. Oui. Bon, vous avez compris. Hein. Bon. Mais donc, voilà. Se rappeler la raison pour laquelle on fait les trucs. J'achète un bus
J'ai le pouvoir de choisir qui monte et qui descend de mon bus. Mais le bus, je l'ai acheté pour emmener les gens faire la fête. Si je fais ça, si je suis juste en train de gérer l'ouverture et la fermeture des portes entre 20h et 23h, ben la fête bat son plein depuis très longtemps. Quand je débarque à minuit et demi, avec les quelques mecs qui finalement ont accepté de rester dans le bus, alors que tous les autres se sont barrés, ils en avaient marre, ils avaient chaud, etc. Donc il faut garder ce truc-là. Le pouvoir, lui tout seul. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu. Pendant des années, on a eu des personnages politiques qui utilisaient effectivement le pouvoir pour acheter des briques et du ciment, pour se faire faire des piscines, alors que bon, c'était pas des grands nageurs, ils étaient pas très beaux physiquement. En fait, tu vois, c'est des piscines sur lesquelles on n'avait pas très envie de les voir et dans lesquelles eux-mêmes ne nagent pas beaucoup, si tu veux. Donc, ces gens-là ont fait ça pendant des années, puis notre pays, il s'est arrêté, en fait. Et on espère tous être en train de sortir de ça. Tu disais tout à l'heure que les dirigeants doivent disparaître. Parce que ces mecs-là, et ces gonzesses-là, on n'en a pas besoin, quoi. C'est des gens... Oui, mais attention, non, mais surtout, j'ai pas dit que c'était... Moi, j'ai surtout dit que c'était un problème de système, tu vois. Parce que s'ils sont... Non, alors que moi, je pense que c'est pas un problème de système. C'est le système qui leur a permis ça. Non, c'est un problème de personne. Là, je viens de m'emmerder pendant 20 minutes à essayer de t'expliquer que c'était un problème de personne et pas de système. Oui, mais bon, non, mais excuse-moi, mais bon, on a été sur plusieurs plans, sur certains plans, effectivement, tu as raison, mais sur d'autres, voilà. C'est le bus qui est arrêté sur le parking, c'est tout. C'est les mêmes mecs, sauf qu'il y en a qui se disent, ah ben tiens, super, le bus est plein, vite, on bouge, on emmène juste les mecs, pendant que l'autre se dit, ah moi j'ai du pouvoir, ouais. Non, celui-là je veux pas, etc. Non, mais attends, Maurice, il y a quand même une petite différence, parce que tu me dis que tu as mis 20 minutes à expliquer ça. D'accord, le mec qui a conduit le bus, il a choisi, il a tout fait. Le politicien, lui, il a pas tout fait. Enfin, il a bossé, certes, mais c'est surtout les gens qui l'ont élu. Voilà. Oui, mais il s'est fatigué. Hein. Pour se faire élire, les mecs, c'est pas qu'ils claquent pas des doigts. Hein. C'est un parcours très difficile, avec sans doute des moments personnels extrêmement durs, avec des gens qui ont... Il y a la possibilité de les emmener dans les arcanes du pouvoir, et des brimades, etc. Donc c'est pas du tout aussi simple que tu le crois. Je dis tout simplement qu'au final, il y a des gens qui ont dit ok, vas-y. Voilà, c'est ça que je dis. Point. Ouais, mais c'est pas parce qu'on te dit ok, vas-y, parce que toi aussi c'est ok, vas-y, si tu veux être élu, si tu veux devenir maire de Ramonville-Saint-Agne. C'est ok, vas-y, mais pour qu'on puisse voter. Mais pour qu'on puisse voter pour toi, il suffit pas simplement que tu décides de te présenter à la mairie de Ramonville-Saint-Agne. Faut faire un peu plus de boulot que ça. Exactement ça. Oui, mais c'est ça que je suis en train de te dire. Mais non, tu es en train de dire, on dit ok, vas-y, on a l'impression que c'est des claquements de doigts et que les choses marchent. C'est beaucoup plus. L'investissement personnel est beaucoup plus important que ce que tu crois. Ou en tout cas que ce que tu dis là maintenant. Oui, non, mais je prends des raccourcis. Je ne suis pas le seul à parler ce soir, Maurice. Hein. Alors non, alors juste à William, le comité des auditeurs actifs de Maurice Radio Libre ne fait pas supprimer les vidéos. Les vidéos des gens qui font des vidéos sur YouTube sont supprimées par les gens de YouTube. Hein. C'est pas, j'adorerais que ce soit le comité des auditeurs actifs qui prenne les décisions pour la chaîne, pour l'ensemble de YouTube, mais c'est pas le cas. Donc ça sont juste des légendes, des choses qui sont racontées par des gens qui ne savent pas comment ça marche. Si les vidéos sont supprimées sur YouTube, c'est parce que les gens de YouTube, les gens qui s'occupent, qui sont à la tête de cette entreprise, font supprimer les vidéos. Voilà. C'est pas, j'adorerais, hein. Bon, on a autre chose à branler, tu vas me dire, que de supprimer les vidéos de YouTube. On a déjà, nous, beaucoup de choses à faire. Enfin, voilà. On va écouter un peu Yann Davon pour voir ce que ça fait. Bon, eh ben, on va essayer. Moi, j'étais embêté parce que disait Yannick de Ramonville qui faisait l'illustration de ce que j'ai l'autre fois sur les commémorations quand je disais que l'État français c'était bien qu'il le fasse mais ce que les gens viennent ici pour pleurer. On a ici un exemple type, c'est-à-dire que des filles se font violer puisque c'est ça le truc et donc on a mis en lumière cette histoire avec leur déclaration en ajoutant en pâture des gens, pourquoi pas.
Et là, on a un type qui connaissait personne, mais qui a juste entendu l'histoire, qui s'est servi de ça, parce qu'il y a des filles qui auraient été violées quand même, hein. Mais peu importe, il s'est servi de ça pour nous jeter tout son truc sur l'Europe, anti-Europe, pour nous resservir sa soupe, sans aucune compassion pour les nanas qu'il connaît pas, pourquoi pas d'ailleurs. Mais c'est juste un moyen juste pour exprimer encore son rejet du truc, et voilà quoi. Bon, je trouve que c'est un peu fort de café, mais c'est un peu dommage, que ça soit vrai ou que ça soit faux pour ces filles, c'est un peu dommage qu'on se serve de ça pour servir sa soupe, voilà. Putain, je l'ai dit sans être coupé, c'est bon ça. Écoute, je suis pas venu pour m'épancher, tu vois. On est là pour réfléchir et pas pour se perdre dans l'émotion et tout ça, tu vois. Et de toute façon, et j'ai dit comme ça que je ne voulais pas épiloguer sur ça. Ça veut dire que je ne voulais pas. Il y a les choses horribles. Je les mets de côté, tu vois ce que je veux dire. Moi, ouais, voilà. Voilà. Ouais. Et de toute façon, si j'avais fait le lien avec l'homosexualité, t'aurais été heureux parce que toi. Toi, la propagande homosexuelle ne te dérange pas. Par contre, lorsque moi je viens dénoncer l'Europe, là, ça t'embête. Ouais. Moi, ce qui m'embête surtout, c'est que tu sois un idiot, parce que la propagande, comme tu dis, homosexuelle, si tu t'arrives un peu de ton cerveau au lieu de regarder sans arrêt des conférences d'Asselineau et t'endormir devant. C'est par la voix ce que tu viens de dire. Ouais. Ouais. D'accord. Hein. Ouais. Attendant que ce soit compréhensible par la voix, si tu pouvais la fermer et me laisser parler, ce serait super. Parce que comme c'est à moi la main, je sais que tu prends des cachetons, hein, mais quand même, c'est à avoir un peu de politesse. Non, je prends juste ce bon, Yann, finis tes arguments là. Mes arguments en fait, c'est que si tu savais donc que l'homosexualité en fait, il n'y a pas une histoire de propagande, c'est juste un goût, on aime ou on n'aime pas. C'est-à-dire que si demain, moi je te faisais la publicité pour l'homosexualité pendant des semaines, ça ne te ferait pas changer d'avis, et heureusement pour nous d'ailleurs, ça ne te ferait pas changer d'avis sur la question. Tu vois, c'est comme. Il n'y a pas de question dans l'homosexualité, c'est quoi la question? Non, c'est pas, je ne parlais pas de ça, je dis simplement qu'il n'y a pas de publicité en fait. C'est-à-dire que soit tu as des penchants pour les mecs, soit tu n'en as pas, mais on ne peut pas te le mettre dans la tête. Enfin, on peut essayer, hein, mais même si on essaye beaucoup, moi tu vois, tu peux faire la promotion. On l'essaie déjà en allant dans les écoles, dans les collèges. Je vais te dire un secret. Prépare un terreau favorable. Pour une fois, je vais te dire un secret. Moi, en fait, j'ai été élevé par des parents qui étaient hétérosexuels. Et ils m'ont fait la propagande de l'hétérosexualité dans cette société pendant des années et des années. Et bah, tu vois, j'ai pas changé d'avis. Hein. Comme quoi, tu vois, j'ai pas été, tu vois, on n'est pas influençable sur le sujet. On parle pas de. Oui, mais là, je te parlais de cette espèce de terreau qu'on est en train de préparer. Terreau, vieux. Sous couvert de tolérance, d'égalité. Je vais pas t'embêter, mais je sais que toi, t'as un esprit faible et qu'on peut t'influencer. Mais là-dessus, il n'y a pas d'influence à avoir. Soit tu l'es, soit tu l'es pas. Si t'es pas tranquille avec ça, pose-toi les bonnes questions. Écoute, si ce que tu disais était vrai, on ne sensibiliserait pas les gens à cette différence. Oui, je sais, on parle de tolérance. Oui. On parle, au lieu de la complémentarité, on va parler d'altérité. Heureusement qu'on l'a fait pour les hommes, parce que du coup, on jetterait des cailloux dans la rue. Tout ça ne sont qu'une rhétorique, mais la réalité, elle est là. La réalité, c'est que si on n'avait pas fait ça pour les Noirs, bah, tu serais encore en esclavage. Si on ne fait pas ça pour les aveugles, on te jetterait encore des cailloux dans la rue. Donc, vive la tolérance, mon vieux. Vive la tolérance. Non. Alors, Ah oui, mais attends, je vais m'expliquer. Il y a 50 ans, et tu vas voir un dernier truc. Il y a 50 ans, un mec comme toi, on ne lui parlerait pas parce que les mecs célibataires, on s'en méfierait, tu vois. Ah, c'est bizarre, il est toujours pas marié, il a toujours pas de gosse. Tu vois, alors, ce serait pas normal il y a 50 ans. Alors, écoute-moi, je vais t'expliquer la tolérance. La tolérance, pour moi, c'est une connerie. Pourquoi c'est une connerie? Parce que c'est une espèce de no man's land entre l'acceptation et la non-acceptation. Je préfère que les gens soient francs. Tu vois, tu comprends? Je préfère que les gens soit ils disent oui, j'accepte, soit ils disent non. Comment tu veux si on leur parle pas? Au moins on leur explique et après ils font au moins leur avis. Mais si on leur parle pas, comment tu veux qu'ils, tu vois? Je te parle de toi. En fait, la phobie, ça vient des choses qu'on ne connaît pas. On a peur de choses qu'on ne connaît pas en fait. Si tu pouvais éviter d'essayer, moi je serais pas contre. Hein. Il y en a qui pourraient éviter d'essayer. Écoute-moi, Yann. On n'a pas dû faire beaucoup de propositions. Yann, oui. On parlait des molosses tout à l'heure. Maurice parlait des molosses tout à l'heure. Moi, personnellement, j'ai peur des molosses. Tu comprends? Parce que c'est juste que si j'en ai pas peur, je vais me faire. Oui, dans ta tête, sûrement. Sinon, ça, je vais m'en faire
je vais me faire bouffer le cul par le molosse, tu comprends? Donc j'ai peur. Les excès de vitesse. Tu parles du molosse qui était chez, qui était dans le refuge. Quand tu dis que l'on a fait maltraiter, c'est pour ça qu'il était là. T'oublies un peu les trucs de l'histoire. Tu retiens que ce que tu veux bien retenir. Hein. N'importe. Les excès de vitesse, ça me fait peur. Tu comprends? Pourtant, je sais ce que c'est. La maladie, ça me fait peur. Pourtant, je sais ce que c'est. Tu comprends? Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas quelque chose. Qu'on peut dire qu'on ne doit pas avoir peur. Tu comprends ? La phobie, en fait, ça vient de là. C'est du coup pratiquer un peu notre langue. Voilà. Et, tu vois, homophobie, c'est la phobie. En fait, c'est la peur. Tu vois le point ou pas ? Non, je vois pas. Ben, écoute, j'aurais essayé, mais peut-être que je vois très bien. Yann, comme je reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure, tout ça, ce ne sont que de la rhétorique. Tu comprends ? La télévision nous a dit dans le crâne homophobie, et toi tu répètes, tu te bases sur ça. Tu te dis forcément le mec qui a un truc à dire contre les homosexuels, il est forcément homophobe. Non, et le mec qui dit en partant de là, le noir, il est forcément raciste. Et en partant de là, on n'a plus de discussion. Et je te rappelle autre chose. Avant, on considérait que les noirs n'avaient pas d'âme. Ouais. Toi, tu considères que tu n'en as pas. Et alors ? Et on. Et on considère aussi que les animaux n'en ont pas. Et alors ? Donc, je pense qu'on peut avoir le même respect qu'on a envers les chiens, les chats, les... Oui, mais attends, on peut avoir des respects aussi envers les esclavagistes, envers ce qui tu veux, hein, bien sûr, dans ce cas-là. Mais pourquoi pas les nazis, tout ce que tu veux. Oui, tu peux considérer ce que tu veux, pourquoi pas. Tu sais, tout est possible. Je ne considère rien. Je me base sur ce que tu dis. Après, je me base sur ce que tu dis. Alors c'est con. On va, tu vois, ça s'appelle une discussion de se baser sur ce que dit l'autre. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Enfin, donc, très bien. Pas le point, là. Très bien. Message de Mike 35 ans de Nice dans ma boîte Maurice at mauriceradiolibre.com. Rebonsoir à notre meilleur ami. Et oui, Maurice est d'une précision chirurgicale envers nos propos et nous permet de nous reprendre. Il s'agit donc de la gamme électrafocale ou enseignement anciennement appelé GM Lab. Pour la partie enceinte, 7.1, front central et rear speakers. Tu sais que tu peux dire haut-parleur. Hein. Tu peux dire avant, arrière. Tu vois, ça marche bien aussi. Hein. Hésitation sur Clips, Velodyne ou encore SVS se portent, comme tu le dis, sur le côté boom-boom. En effet, à partir de 38 cm, les bons caissons de basse stables sur l'infragrave. C'est ça que je recherche, une image, un tremblement. Et moins de rondeur saturée bourdonnante à l'oreille que proposent les caissons en basse réflexe mal conçus. Une sensibilité, l'un de ces trois marques, US, Maurice, un canon à tous. Tu sais, l'oreille humaine, c'est 20 Hz, 20 000 Hz, je crois. 20 Hz, 20 000 Hz. Il y a des gens qui, jeunes en général, qui peuvent consommer parfois du 10, je crois. Mais toi, tu as 35 ans, il y a peu de chances pour que tu sois dans ces eaux-là. C'est très bien d'avoir un matériel incroyable. Alors, ça sera bien pour impressionner tes amis, en tout cas ceux qui auront envie de t'écouter. Mais moi, je ne tablerai pas là-dessus, tu vois. Je t'inviterai plutôt, au lieu de te penser aux marques, à aller dans un auditorium à Nice, il doit y en avoir, comme il y en a dans la plupart des grandes villes, avec ton disque préféré. Le scud que tu préfères, le morceau que tu préfères, et d'aller l'écouter sur les différents appareils que les mecs vont te proposer, et de choisir ton truc en fonction de ça, en sachant que le top du top, c'est d'avoir chez soi un générateur de bruit rose, qui lui va tenir compte, va faire une analyse de ta pièce en permanence, et va restituer la musique pour que ce soit vachement bien. Mais là, c'est pas la dépense juste d'un grand... caisson de basse, machin truc, parce qu'autrement tu vas chez n'importe quel vendeur de sono à Nice, les mecs ils vont te proposer des caissons de basse qui sont faits pour des salles de concert, tu vas passer sur des trucs qui vont faire un mètre de diamètre, il va y avoir du vent dans ton salon, mais tu vas pas pouvoir consommer la musique, quoi. Ça sera dégueulasse, quoi, le son. Donc moi je t'invite plutôt à faire ça. Tu t'imagines comment tu vas organiser chez toi, tu vas écouter ton morceau préféré, et puis après tu vas travailler un peu les revêtements dans ton salon ou dans l'endroit dans lequel tu vas mettre ta sono,
pour que ça sonne, que ce soit agréable, joli, qu'on puisse l'entendre quand on est sur la terrasse en train de boire un petit coup, et puis qu'on puisse aussi l'entendre de la cuisine, etc. Parce que parti comme t'es parti, tu vas avoir des très grosses basses, mais quand on va être dans la cuisine, on va avoir que les basses, on n'entendra pas la musique, personne ne saura ce que tu joues comme morceau quoi, dans ton salon. Pareil, quand tu seras en train de faire ton barbecue qui fera beau, on n'entendra que les basses et on comprendra pas ce que tu joues comme musique. Donc pense à ça, hein, parce que la musique, c'est très bien le matériel, mais il faut surtout penser qu'on va l'écouter, en fait, la musique. On va faire les procédures de sortie, si vous êtes d'accord. On va écouter la conclusion de Yann Davon, je vous prie. Jusqu'à quand mon appareil va me supporter? À demain, Maurice. Kenra, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. La conclusion d'Emmanuel, de Marie-Emmanuel et de Fabrice à Vincennes, 50-42, je vous prie. Bon, moi je vois que Yann Davon, il est toujours aussi belliqueux, il sort les griffes, il y a des choses qui ont été faites pour les homosexuels, et puis il en faut toujours plus. Un jour, ça se terminera en plus de la mairie, ça se fera en plus peut-être face à l'église. Donc c'est pour ça, moi, je trouve ça aberrant. Voilà, je passe par Emmanuel. Moi, c'était ma première fois ce soir que je rentrais en contact avec ta radio. J'ai beaucoup apprécié. Je pense que j'aurai l'occasion de revenir sur l'antenne. Voilà. Bonne soirée. Merci d'être venu. Tu sais où me trouver. Merci à tous les deux d'être venus et bonne nuit à vous. Et la conclusion de Yannick de Ramonville-Saint-Agne, je vous prie. Ouais, encore une fois, j'aimerais dire quelque chose qui fait vachement du bien quand même. C'est d'arrêter de regarder la télévision et tout ça. Je trouve que c'est vachement bien, hein. Parce qu'au final, tu n'as plus toutes ces horreurs. Enfin, c'est vrai, je me demande si c'est un truc de dingue de... finalement de passer de comment on peut dire, d'être informé de toutes les horreurs qui peuvent se passer sur la Terre. Tu vois, c'est fou, hein. Tu vois, t'écoutes le truc, oui, il y a un truc qui a tué, c'est quand même horrible. Ça n'apporte absolument rien au quotidien. Et de toute façon, j'en suis la preuve vivante, je suis toujours vivant. Et je suis beaucoup moins stressé. Et j'en veux plus à tous ces journalistes. Qui font leur vie, je fais ma vie et ça roule. Bonne nuit, Maurice. Rock'n'roll, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. Je suis intéressé par ce que vient de dire le koala, donc qui est sur le chat de YouTube, qui dit en France, on nous parle de rear speakers, de prime time, de teasers, de gamers, et j'en passe. Et dès qu'un touriste étranger demande sa route à quelqu'un en anglais, il n'y a plus personne. Et ouais, ça c'est vrai. C'est pour ça que ce serait bien que déjà qu'on essaie de dire tout ça dans notre langue. Ah, comme ça déjà on aurait l'assurance de bien se comprendre. Et puis après on passera à la langue étrangère. Formidable. J'étais très content de passer cette soirée avec toi. Je salue celles et ceux qui sont venus voir ma chemise sur YouTube. Je te prie de changer de chewing-gum. J'ai changé. Je change régulièrement dans la soirée. Dans la soirée, je me fais... Attends, je vais te dire combien de chewing-gum je consomme. Je m'en fais une petite dizaine par soir. Voilà. Donc je change régulièrement pour avoir le goût du chewing-gum. Et c'est très, très agréable. Voilà. L'anglais, il a qu'à apprendre le français s'il vient chez nous. Toi, peut-être qu'il faudrait que tu te mettes au français aussi. Hein. Il a K, ça s'écrit pas C-A-S. Hein. Là, ça va te permettre de te replonger un peu dans la langue de notre pays, vieux. Comme ça, que les gens comprendront ce que tu dis. Merci, merci, c'était bien. Je te laisse avec un truc que tu connais pas et qui est très joli, qui va bien t'emmener dormir.